Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le savez-vous vraiment? Est-ce que vous êtes conscient que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ce n'est pas un adage. C'est une vérité biblique. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. À partir du moment où vous aimez le monde, où vous aimez les choses qui sont dans le monde, vous faites de vous, vous vous transformez en des ennemis de Dieu. L'amour du monde, déclare notre frère Jacques, dans Jacques au chapitre 4, le verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ceux qui sont intimes à Dieu, selon leur propre conditions, leur propre caractère, leurs propres caractéristiques, leurs propres méthodes. Vous savez, il y a dans le monde des chrétiens qui ont fixé leur façon d'être intime à Dieu. Ils sont intimes à Dieu parce qu'ils sont l'ami du pasteur. Ils sont amis de la femme du pasteur. Ils prêchent à l'église. Ils vont à la campagne d'évangélisation. Ils chantent à la chorale. Quand ils prient, les gens sont contents. J'ai même vu un homosexuel, de son propre témoignage, me dire que lorsqu'il prie, il y a tellement d'onction que les gens tombent en transe. Mais bien aimé, l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il y a une façon de plaire à Dieu, c'est selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de plaire à Dieu qu'à travers sa parole, qu'en mettant en pratique sa parole, qu'en suivant son commandement et ses préceptes. Jacques déclare, et je vous le dis en vérité, l'amour de Dieu est inimitié. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quelqu'un dira, mais c'est quoi l'amour du monde? Jean déclare dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2, je crois au verset 16, que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses ne sont pas de Dieu, mais elles sont du monde. Cela veut simplement dire que lorsque vous vous laissez attirer, emporter par la convoitise de la chair, la convoitise de la vie, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vous devenez des ennemis de Dieu. Parce que ces choses ne sont pas de Dieu, mais elles sont du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont les trois éléments fondamentaux. Ils ne sont certainement pas les seuls, mais ils sont le point saillant, la base, la fondation sur laquelle les autres œuvres du malin sont déposées dans votre vie et constituent le socle du monde, ce qui fait de vous des ennemis de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 6, Luc au chapitre 6, je crois au verset 24, Jésus dit, là où est votre cœur, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Donc, votre cœur se trouve où se trouve, alors, ira naturellement où se trouve votre trésor. Vous serez naturellement attiré par ce qui fait votre trésor. C'est qui, le trésor de quelqu'un fait sa joie, ça fait son bonheur, ça le rend heureux. Vous serez naturellement attiré par ce qui fait votre trésor. Cela attirera votre cœur. Quelqu'un dira, mais quel est le lien avec l'amour du monde? Il y a un lien. Quelles sont les choses que vous aimez faire? Vous dites que vous priez, que vous adorez, que vous cherchez le Seigneur. Mais tu vas dans les boîtes de nuit. L'amour du monde, la convoitise de la chair. Tu veux te sentir belle, beau. Tu veux porter les vêtements Gucci, Louis Vuitton ou encore Dolce & Gabbana. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tu as vu une influenceuse, tu veux à tout prix être comme elle. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Les enfants ne veulent plus étudier. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Vous voulez vous dévêtir et aller sur les plages pour avoir un maximum de followers, de subscribers. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Vous voulez que les gens vous apprécient tellement vous le voulez que vous présentez une fake vie, une fausse vie, la convoitise de la vie, l'orgueil de la vie. Les prédicateurs sont tombés dans cette mouvance. Les gens vont à la montagne, ils veulent qu'on les voit en train de prier, qu'on les voit en train d'adorer, que tout le monde sache ce qu'ils font. On dirait qu'ils le font pour les hommes et non pour le Seigneur. La convoitise de la vie. Mais bien aimé, la Bible déclare que lorsque vous avez l'amour du monde en vous, vous devenez ennemi de Dieu. Donc, être intime de Dieu, ami de Dieu, ne consiste pas à prier à l'église, chanter à la chorale. Ça ne consiste pas à être la copine de la femme du pasteur, être celui qui paye le plus des dîmes, être celui que le pasteur aime le plus, être celui que le pasteur aime envoyer, celui qui accompagne souvent les anciens d'église, celui qui va souvent à la campagne, celui qui a une belle voix. L'amour de Dieu ne consiste pas en cela. Si tu as l'amour du monde dans ta vie, tu es un ennemi de Dieu. Et l'amour du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si tu aimes les choses du monde, les réseaux sociaux, pour toi, c'est le lieu le plus beau. C'est le lieu où tu te sens à l'aise. Il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes avec leur époux ou leur épouse. Ils ne peuvent pas résoudre. Tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Tu ne leur parles pas. Ils sont assis à 2 cm de toi, 1 mètre de toi. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes. Mais tu ouvres une vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et tu ris. Oh Seigneur, l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça envahit le cœur des hommes. Tu es avec quelqu'un proche de toi, à quelques mètres de toi. Vous ne parlez pas, vous ne vous parlez pas. Vous n'arrivez pas à vous pardonner depuis des semaines. Mais tu passes ton temps sur YouTube, sur Facebook. Tu ris des choses que tu y vois. Parce que le diable a réussi à vous faire rire de ce qui devrait vous faire pleurer et vous faire être fâché de ce qui devrait attirer votre attention et vous mettre dans la contrition.
Aujourd'hui, les gens se font mal dans les vidéos et ça fait rire. Les gens se distraient avec ce qui devrait faire leur peine. La société part dans tous les sens. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La cupidité est devenue le péché commun. Tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut avoir des millions d'abonnés comme X et Y. Tout le monde veut devenir riche. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Si vous avez la semence de ces choses dans votre vie, même si vous priez, vous êtes des ennemis de Dieu. Si tu as la semence de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie dans ton cœur, tu es un ennemi de Dieu. Tu devrais crier au Seigneur pour la repentance. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie miséricorde de moi. Parce que mon regard est sur les habits Gucci. Seigneur, aie pitié de moi parce que mon plus grand désir, c'est de m'habiller en Dolce Gabbana. Seigneur, aie miséricorde de moi parce que quand je vois les gens qui voyagent en première classe, je suis tellement attiré, j'ai envie de faire tout pour cela. Seigneur, aie miséricorde de moi parce que je suis un prédicateur, mais je fais les jeûnes et les prières, non seulement, non pas pour te ressembler, mais pour avoir l'onction comme les tels. Donc, ma vie, c'est de se comparer aux autres. C'est l'orgueil. Seigneur, aie miséricorde de moi parce que je n'arrive pas à pardonner mon mari, mon enfant, mon époux, ma soeur, mon frère, mon parent. Mais j'ai réussi à rire sur des vidéos que je trouve sur Internet. Seigneur, aie miséricorde de moi parce que je vis une vie de façade. J'ai de la convoitise de la chair. J'ai la convoitise des yeux dans ma vie. Et j'ai l'orgueil de la vie qui a envahi mon cœur. Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur, aie compassion. Beaucoup de personnes sont des ennemis de Dieu et se vantent dans les églises, dans les communautés chrétiennes. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'ami du pasteur. Je suis ancien d'église. Je suis la sœur telle. Il y a même dans les églises les influenceurs de la communauté que tout le monde adule et qui sont pris en exemple. Faites comme tel, vraiment. Surtout les chantres, les pasteurs, les adultes, ils disent aux jeunes, faites comme lui, puisse-t-il en avoir des milliers comme lui, il fait la gloire de Dieu sur Internet. Pourtant, il est en train de faire la promotion de l'orgueil de la vie, de la convoitise de la chair. Bien-aimé, faites attention à votre vie spirituelle. Faites attention à votre vie spirituelle. Faites attention à votre relation avec Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces choses ne sont pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Et quiconque est ami du monde est ennemi de Dieu. Soyez abondamment béni en Jésus-Christ. Shalom.